Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur My Vacation Channel. C'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Food. On vous emmène avec nous manger au restaurant de Margaritaville Resort à New York. Voilà, on va aller tester Margaritaville, c'est le restaurant qui est juste en face. On dirait que le bâtiment il fait au moins un ou deux étages. En fait, une énorme tongue. La déco est assez sympa. Il y a un rooftop a priori. Musique d'ambiance. Tiki bar. Il y a quelques goodies. Donc on va faire un tour de la salle, un petit tour de la salle du coup. Ça c'est la salle de restaurant. Ça c'est assez grand hein, du coup. On a la vue du coup sur la rue. Et en face on a le bar. Le Tiki Bar. Là, on va accéder au reste de la salle. Thank you.
statue de la liberté. Qui tient non pas la plaque du 4 juillet, mais nos passeports requis. Et elle a un cocktail de margarita dans la paume de sa main. Normal, c'est le thème du restaurant du coup. Allez, je continue mon petit tour. C'est la table du coup sur laquelle on va manger. Ça c'est le menu des boissons. Et enfin, ça c'est la carte. La carte elle est belle. Pourquoi il y a du choix? On va dessus un petit peu plus en détail tout à l'heure. Au niveau des cocktails, du coup, on a pris deux margaritas, on a pris The Perfect Margarita et A Town to Shell Margarita. On a reçu les deux cocktails, du coup, ça c'est la Perfect Margarita. Et moi j'ai pris quoi déjà, je m'en rappelle plus là. A Town, ouais, c'est ça, A Town Margarita. Allez, cheers. Nous, là, on fait les cocktails. Franchement, celui-là est cartonne. Mais je préfère l'autre au niveau du goût. Là, on sent que c'est dosé, quoi. En fait, c'est hyper surprenant en plein milieu de Times Square. On dirait qu'on est dans un masque ou je sais pas, grand partout.
dans celle-ci qui est énorme, hein, bien sûr. Elles sont très bonnes. Ça, c'est la margarita pure et dure, hein, classique. Très bonne. Et tous les deux, du coup, on préfère le Town Top Shell Margarita, qui est beaucoup plus sucré. Franchement. Au niveau du menu, là je pense que je vais prendre ça, Jimmy, Jasmine, Jambalaya. One large jambalaya, please. Thank you. Jambalaya. Donc toi tu prends crispy coconut shrimp. Mais ce serait bien qu'on goûte la key lime pie. Il y a du riz, il y a des petites crevettes, il y a des épices. Moi j'ai goûté les mac and cheese, elles sont pas mauvaises. Et toi tu as pris du coup coconut shrimp. Coconut shrimp, avec des frites et une petite sauce. C'est le riz du coup. La préparation déjà c'est du riz blanc. Ça ressemble un petit peu à la paella, on voit bien que c'est cuisiné. Il y a des morceaux de chorizo dedans, je pense. Des crevettes, c'est un petit peu épicé. Mais franchement, c'est bon, moi j'aime bien. Ça, Chris, ça te dit quoi? C'est très bon. Tu sens le goût de la noix de coco ou pas? Là, dans la sauce. Goûter. Mmh. Ah ouais. Ça, c'est un autre coco. C'est génial ça. C'est pas dégoût, j'ai l'habitude de goûter, c'est génial. La sauce, elle est. Non, ça, j'aime bien, franchement, c'est bon. En fait, c'est très épicé. Moi, j'aime bien être épicé, ça va, mais quand même, ça en boit. Hein. Le riz, vraiment, elle est parfaite. Hein. Il est un petit peu croquant, c'est bon. Donc, je pense qu'ils ont mis du chorizo. Les crevettes, elles sont fondantes. Elles sont très bien cuites. Quand t'as tout mangé, ça fait bien. C'est trop là. Ouais. Oh!
morceau de margarine, c'est ça? C'était plus léger que les autres. Ouais. Ouais, mais j'ai pas goûté les petits morceaux. On a commandé une quai lime pie à deux, parce que là on a plus faim, on est fou, du coup. Elle a l'air très belle. On connaît pas du tout, donc on va voir ce que ça donne. Un petit peu un cheesecake, tu sais, au citron, quoi, en fait. A priori, donc elle est maison. On va goûter ça. Alors ? Ouais, c'est bon. Il y a un gâteau sablé dessous. Et après, ça fait une base citron, un peu comme, comme une tarte au citron, en fait. Hein. Sauf que c'est du citron vert, en fait, c'est ça ? C'est très bon. C'est une spécialité de Key West, ça. Je vais recevoir l'addition du coup, on a 1 pour 120 dollars. Il faut qu'on rajoute du coup entre 15 et 20% de tips. Ça va faire 140 dollars en fait. Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions concernant la vidéo, n'hésitez pas à nous les poser dans l'espace commentaire ci-dessous. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être au courant dès que nous postons de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur My Vacation Channel. Ciao ciao.